Jean-Charles Moïse prend soufflette Marassa. Oh! Je vais l'expliquer pour qui ça? Nego humilié Jean-Charles Moïse. Parce que Jean-Charles, monsieur un représentant dans le conseil qui s'est vétilaire. Son j'aime dépasser audio ici à côté moi, dans la radio et Star FM, dans le cap haïtien. Côté monsieur l'a expliqué, raison fondamentale que choisit Vertilaire. Vertilaire son nèg que le connaît et c'est lui qui te bail monsieur job premier job. Vous songez ça? Est-ce que nous connaissons la société même Vertilaire pas voté Fritz Belizer? Son pays difficile. Attendez. Même Vertilaire pas voté Fritz Belizer, non papa. Pays prend un complot. C'est dans mon destin. Et voilà, petit complot Haïti prend là, non? Même Vertilaire, représentant petit de Saline dans le conseil, là, elle va voter pour Fritz Belizer. Ah. Si moi, bah, cool, prends un coup. Eh bien, qu'on y a ça qui passe là, et pourquoi moi, je vais rejoindre Guy Philippe encore? Quitte ça, oui. Là, m'a dit, eh bien, pas moi. Eh bien, moi. Parce que, pas oublier. Première information qui partage, c'est 6 sur 7, oui, qui vote Gary Gonet. Tellement comme si on a voté à l'unanimité. Et bien, on n'a pas là. Eh ben, pas comprendre. Parce que, m'pas quoi, Didier Fizeme, monsieur pas là. Ah, pas Didier Fizeme, non. Et bien, ça, on a eu un n'a pas là. Et comment, mon chéri, elle-même? Et Saint-Cyr Laurent, Laurent Saint-Cyr, monsieur pas là, non? Monsieur pas là. Ça veut dire que si monsieur pas là, même Vertilaire, représentant, qui donc, Dieu Jean-Charles Moïse dans le conseil là, il pas voté pour le président Jean-Charles là, non? Bah, d'où son parole difficile, Vertilaire pas voté, non, papa? Eh ben, nous gouti moun kale, je vais vous comprendre. Vous comprenez? Ok. La société, écoutez. Gary Conille, monsieur t'es déjà premier ministre pays. Nous sommes chez M. Michel Martelly. Monsieur était déjà venu là. Côté, il te dit la barre anti-coup de main. Mais, dans le dernier temps, yo, monsieur vient pas danser collé tellement à Martelly. Parce que, on Martelly, on est qui fait toute ville à danser, descendre, cancel. Et qui ont l'autre nègre qui bon côté, qui sont brillants intellectuels, etc. Docteur Gary Conille, nègre cerveau. Mais si nous sommes intelligents, nous devons constater que, vini Gary Conille là, dans le conseil là, ils vont bailler simple comme ça. Son bail calculé, son bail planifié, et c'est yon envoyé, monsieur Yé. Pour qui ça? Premièrement, monsieur son nègre, monsieur dans l'ONU, aux États-Unis, monsieur là, bah allez, monsieur dans l'ONU. Monsieur dans l'ONU, depuis ça fait pile temps. Premièrement, non monsieur seulement calé dans bail là, en pile monde a commencé à réfléchir, à dire, bon, ça c'est joueur américain, c'est américain de voyel. Bon, par contre, est-ce que monsieur remplit le critérium? On va entrer dans le statut, bagarre comment monsieur Yé, comment la fonctionner. Parce que monsieur pas dans le pays. On va quoi, bon, même s'il a un statut comme diplomate, on va quoi, c'est ça. Monsieur que monsieur, on va quoi, qu'il a soit l'itel. Mais depuis moi, non, le départ, réclame dit ça, c'est on envoie. Deuxième bagaille. L'ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis, monsieur te font intervention. Tu te dis que, yo pas comme si fourre bouchio dans affaire bagay paysan politique. Cependant, moun kap vin premier ministre son moun ki genye yon bonne capacité de gestion. Gestion de la chose publique. C'est on nèg comme si ki genye yon grande facture. Ou m'ta dit ça piklè. Depuis le blanc parle comme ça, dit nan lis m'ap gade a li ka difficile. Pou se pa Gary Conille yo. Ba nou encore. Et c'est presque même réalité ça a été fait après le départ de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Bien que a été fait plus ou moins bagaille qui était plus ou moins légal, parce que a été allé dans le cours de cassation avec le professeur, défunt, regretté mémoire, Boniface Alexandre. Mais, il n'y a pas de quitter un choisi pour un ministre là. Et moi, non, bagaille qui faut là, noter ça, m'abdine là. Il n'y a pas de quitter monsieur choisi, il n'y a pas de quitter pays à choisir pour un ministre là. Il y a fin mettre, il y a d'accord pour y a nous, président, mais yo vini avec le premier ministre pour nous qui c'est Gérald Attortu. Ou Gérald, nous sommes monsieur. Ok? C'est même réalité à vous faire là. M'pral fait entendre tout à l'heure,
qu'on y a même, pendant ma parler, on va faire entendre, yon intervention ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, qui t'a participé dans l'émission Le Point sur Métropole, avec, bien sûr, Wendell, que me salue. Monsieur Claire, dans sa labdia. Mais comme c'est diplomate, il est toujours à fond tijouette pour moun qui manque à aviser, pour yon pas fin comprendre tijouette là. Soit pli entre les lignes, parce qu'on est Wendell, son est qui gentil. T'as quoi, boy, gon parti Wendell, ouais, si y'a moins. N'ta pas font tirer tes soleils. Moi, ou juste courir. Son gros bail, monsieur dit la Wendell. Moi, fin, moi, on tire à ses idées. Mais où tout passe? Mouka comprenne Wendell. Ça, te voye Wendell. Ou va rentrer dans trop de détails, papa. Wendell, ça, te allié. Li pa vle rentrer dans trop de détails à chercher zo. Mais n'est pas on est de Wendell. Au moins, t'es qu'a dit bon. Qu'on retourne sous li Wendell pour te dire comment t'as expliqué ou ça, puis clair. Parce que monsieur fin dit, il y a deux bagailles qui kembe là, bon, il y a deux bagailles. Monsieur dit, c'est cimetière. Ou bien, non, monsieur dit, c'est prison. Ou bien, yo allez dans le pays sans chapeau. Ou pas de courir comme ça, Wendell, pour dire, bon, ou traverser rapide dans l'autre dossier, dans l'autre sujet. Vous comprenez, nous, t'es de fonti balancer, tout petit. Ou pas de sortir dans le détail, Wendell, ou pas parler. Et pas ou pas parler. Ou fait travail, ou, et bien, tant de choses. Monsieur, nos paroles qui attirent attention. Pour qui ça? Monsieur dit, ça qui a passé là, c'est que, là, Wendell posait la question sous choix pour le premier ministre, là, qui pour au café. Monsieur dit, c'est logique parce que il y a 7 membres conseil. Son conseil présidentiel, 7 têtes. Je dis, puisque c'est 7 têtes, c'est normal pour décider au prêt anti-classe pilon. Parce que faut que vous concertez entre eux, etc. Mais Jean-Michel dit là, c'est comme consenti. Comme son passage obligé, vous acceptez, mais en réalité, vous baladez. Si vous baladez, tété, est-ce qu'on est obligé de dire ça, tété? Eh bien, moi, ma fanaliste au pays, il y a fois, me dit ça, me pensait. Si yon pas là dans le vrai accent pour ça, malgré tout accueil yon bay bel dan, sou wè yon voye garikoni vin la vin PM, bon, garanti, gen possibilité pour conseil cette tête sacrasé, et c'est seul premier ministre là qui pral gen habilité pour organiser élection dans le pays ya, nan jou kap vini la yo. Yon le mte réel télé, okay? Bon. Oh, Gilbert, mte dit ça vrai, mte dou. Elles me font passer Washington. Mais bah, longtemps, comprends ça, Mabdou. Vous pas quel bail m'a dit ici, papa. Bon, me quitter ça, oui. Hein? Me quitter ça, oui, Nali. Nous aimons zin comme ça. Mais, quand pile bagay m'a dit ici, pourquoi n'est-ce pas bon crédit? Ça, c'est tété. Mais, nous me défons pas arrêter dans la cour Washington. Il y a deux nègres qui nous ont ouais dans le brin. Premier nèg m'te wè c'était le m'te fè kouche a m'te wè Smith et Mania m'pa même konn monsieur il a fait bon soit le gars sur page après gon l'homme t'est cité monsieur après ça gon l'autre côté gon m'm fon coup de tête Washington encore et puis moi remarqué gars c'est Gary Conny qui dans brin en Washington m'a dit ah ouais deux nèg ça yo marqué non yo mais comme konn elle t'était parlé gen nèg qui minimise li ou comprendre ça d'où mais moi même c'est bon vérité m'ta ba non et bien a parlé mais Gary Conny. Et pas quelqu'un parle français nèg pral vin dim. Edgar Leblanc, pas gagne on pral dim là, c'est choix blanc qui passe. Et c'est le blanc qui décide. D'ailleurs, soué tout temps ça passe choix pour coca fait, c'est parce que justement c'est parce que justement pour qu'on gagne concertation assez. C'est ça seulement. Parce qu'on y a ça mon problème qui passe là. Gary Conny premier ministre, côté le pral chita là, côté bureau le pral là. C'est sept membres bio déjà installé confortablement dans villa d'accueil là là. Ça dit premier ministre là pas gain caille. Eh ben on mélanger oui, kounya nèg pa l'arranger faut vinn dans palais. Nèg vinn dans palais pour Gary Conny ka gain espace villa d'accueil là. Et villa d'accueil là dit son espace qui est bien bon, bien organisé et dit gain bel bar en l'air, nèg gain bon ti manger autour en l'air. Donc on doit là commencer des discussions, est-ce qu'on pourrait mettre Gary Conny chaise là dans villa d'accueil là. Nous pas connaît. Kounya deuxième bagage, on a qui dit que oui. Trois poids politiques, quoi bien t'en connais? Si ouais, si y a des poids politiques, Gary Conny va la vinla en premier ministre en figuinou là. Poids politique. Si y a des poids politiques, Gary Conny, bon, ouais, si y a des poids politiques, c'est pas Gary Conny ta premier ministre là. Négatif, monsieur. Poids politique, quoi parler, c'est le blanc pavlé, malheureusement. Parce que y a son équipe bêtise nouye. Son équipe bêtise nouye, yon décide pour nous. C'est après radio, ou pas le là, dès demain là, tout le monde va commencer à parler, radoter dans la radio. Il n'y a pas de gens qui ont uni, ou pas de gens qui ont entendu,
C'est le blanc fin prend décision et puis tout pral tomber voyez toi. Sauf si on pas parler, pas le pas si a du tout. Comment bah qui attire attention. On se dit on bah là, ou on va retourner, on fait John va retourner le papa. c'est fragile. Mais moi me fait entendre intervention blanc américain. Monsieur Don Bagay qui vraiment attire attention. M'a fait entendre monsieur. Non, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit le gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment. Alors ça, c'est ambassadeur américain, M. Denis Bruce Hawkins. C'est lui-même qui est ambassadeur américain. Donc, entendez l'intervention M. Fay. M. dit deux bagailles. M. parle sous Gagnon et M. parle sous conseil là. Immédiatement après intervention, monsieur, choix pour le ministre après sorti. C'est pas bon, t'as l'air, qu'est-ce que tu as de Samdou là? Immédiatement, monsieur Fine parler de conseil là, m'bral fin de saldi. Un petit après, choix pour le ministre après sorti. Et c'est Edgar Leblanc, fils même, qui annonce le sous compte Twitter légalement sur sa page Facebook. Monsieur dit suite à des échanges au sein du conseil présidentiel de transition, après les auditions des candidats retenus, pour le poste de Premier ministre, le docteur Gary Conny est choisi par consensus pour diriger le gouvernement de la période de transition. Est-ce que nous avons dit ça, Mdoula? Qui est-ce que nous dit ça? Edgar Leblanc, fils, qui c'est actuel président conseil là. Monsieur a dit suite à divers échanges qui donc boucanté la parole dans le conseil présidentiel là. Après, au fin tendez tout candidat yo, eh bien, que vous avez choisi, vous avez déjà quimbé pour poste premier ministre, c'est docteur Gary Conny que vous choisi, mais c'est en tête ensemble entre vous, vous discutez entre vous, vous choisi. Qui donc, même représentant moi là, il n'y a pas choisi, moun moi te souhaité. Bon, il prend un soufflet, tout va pas. Quand il y a deux mains là dans la rue, là, boule caoutchouc, et puis il dit, crasez, brisez. Et puis le grand paquet qui est garé, on a fait ma cagdelle. Et puis là, bien passé. On a un hélicoptère monté, papa. Hélicoptère monté. Quitte le roulet, John. Donc, immédiatement, l'ambassadeur a fini parler en métropole avec Wendell. Il a choisi Gary Conny comme premier ministre. Tendez toutes les paroles, ça. Tendez-le. C'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. Mm-hmm. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mangongyo allait ou bien en prison ou bien dans pays sans chapeau. Non, tout d'un sens, quand il y a et l'âme Wendell, mon cher, tu as quitter ça, Wendell. Wendell court, Wendell peur. Allez, t'es allié, papa. Il va m'entrer dans la cause de mon trop fort. Et bien, nous suivons pile, t'as dit. Wendell, pas. Wendell, qui a tourné bagay là? T'as dit. Gonek qui dit tété, on voit ça le dit là la mandier. Et la mandier répondait bon dit en vérité et Godek Claude al c'est mon cher. Ou dit ma baie blanc. Ah ben blanc c'est mon cher. Ouais bah on pas fait hypocrisie mon cher. Qui sont ouais j'en fais là sans la décision du blanc. Tendez bien. Ça dit que faut pas baie tête nous mentir parce que c'est hypocrisie à craser non. Ou pas ouais monsieur fin parler de Banou Gariconi comme premier ministre. Ah bon cher. C'est vérité à pour n'tablier, pas mentir pour n'baille. C'est vérité à pour n'baille même s'il blessé. Même s'il blessé. Ou pas, on va garder un point. Hein? Yo, là, son paquet de tirants, ce nous y est. C'est ça, yo, ouais, nous, yo, garder. Nous, on va garder un paquet de vicieux qui a bousqué manger. N'a pas géré, on j'en. Quitte le roulet, Tijon Tunnel, non. Monsieur, font gros déclaration, oui, là. Ouais, ça, faut que Tijon Tunnel. Monsieur, font gros déclaration. Monsieur dit, et m'y a l'impression, yo, écrit ça pour lui, pour le dire en créole même, pour le t'attendre dans oreilles, yo. Il dit, ouais, ça fait gang, non, s'il t'a parlé là, sous crime qui passe l'ison. Monsieur dit, gang, yo, y a deux options qui réservent pour yo. C'est cimetière? Non. Faut me dire, j'en dis là. Je dis, c'est prison? Ou bien c'est aller dans le pays sans chapeau? Je me sens pas écrit pour lui, vous le dites. Je dis, c'est prison? Ou bien aller dans le pays sans chapeau? Mais bon, quittez-moi, monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas te là. T'as une prison encore en Haïti? Ou comprenez-vous que c'est ça? Ou pourquoi commencer à dégager? T'as une prison en Haïti, non pas? D'ailleurs, Amérique investit en pile dans la prison, yo. Le Canada, la France. Actuellement, là, yo marche, crasé prison, crasé commissariat, boule chez la police. T'as une prison? Gon seule option qui est envisageable. Bois calé. Tu expliques ça de bois calé, mon chien. Et bois calé. Tu as dit bois calé pour blanc, non, pour moi, pour le qu'attendez blanc bien dans oreille. Oui, actuellement là, blanc. Monsieur le blanc, monsieur l'ambassadeur. N'est-ce que vous crasez prison? Donc, pas de prison encore.
OK, c'est une question de bois calé. C'est ça, bois calé. Quand il y a ça besoin, c'est target Joe Biden pour dire que Jean Balay Haïti a arrangel pour le voyer Marine si pour nous là pour le banon ti coûte mais. Il y a des moyens pour ça. Non, nous pas dans un mille. Bon, 200 nègres là débarqué, 200 nègres. Moi même dou m'a gardé nègres là. 200 nègres là, détective Lubin. Et commandant Jean, attendez, nous pour baillon, 200 nègres là suffisant pour mettre la paix dans Port-au-Prince, papa. Militaire américain. Ça veut dire que vous un nègre ça là, dit Joe Biden, mon cher, mais on pouille nous en Haïti, baillon mélanger dans nous. Jean n'a gardé là, nous pas besoin de Kenya à bêtiser là, cap pour maïmoulin koyo, on font pas arrête là. N'a campé pour l'en mer là, n'a checké sous Izo, n'a checké sous Mano, n'a checké sous Jeff Gaulois gros vent. Pour comprendre ça tout, n'a checké sous l'en mort sans jour douli, c'est baron plein là qui c'est bois qui est pas peur frappé, n'a checké sous vite l'homme. Et pas tirer là n'a fal tirer coup de balle faire attaque baïn. Non 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 non, et pas ça n'a cherché. Ça dit qu'on jeune campé. Et puis nous dit pour le boucané, mais moi, nous paraît, nous dit qu'il pèse, mais moi. C'est ça nous cherchons là, moi. Ah, pas de prison encore, moi. Hein? Ou Cécile dit, c'est pile de wood. Eh bien, français ça, anglais, elle dit paraît trop lourd. Bois calé, un wood and pile. Je me plus remet ça, oui, wood and pile là. Non, tu vas à Itak faire peine, ça c'est un petit détail. Eh bien, ça n'a besoin, moi. À Itak, là, il y a tout peur. Eh bien, ça n'a besoin. Donc, monsieur, comment ça vous le fait? Parce que, n'est-ce qu'il crase toute prison? Quoi des bouquets en prison plus ou moins moderne oui, que ont été fait pour les condamner en 2012 j'ai inauguré le Canada pour les condamner même si on va bien respecter le ils ont crasé le débat chal ils ont fait toutes des blousailles actuellement là ils ont gagné un plan je vais montrer une bagarre là ils ont gagné un plan ils ont un plus gros rêve pour le boucaner ils ont c'est attaquer le commissariat de Port-au-Prince ils ont envoyé drones pour contrôler tout déplacement policier dans la base Udmo non CMPAT. Ça veut dire, monsieur l'ambassadeur. Ça veut dire, si vous faites tout dégâts, ça, craser prison, tuer policier, mouler char la police. Pas de question prison, pas de prison, mon cher. D'ailleurs, mes petits gouaves là, mes petits gouaves tête en bas là, oui. Pourquoi vous dites ça? Moun qui dans prison, pas qu'à manger, ou pas qu'à manger. Ou pas qu'à manger. Commissaire mettre deux mains en tête après la mouille. Commissaire police, tigouave là. Monsieur débarque dans le paquet tigouave, je dis à deux mains en tête. Lui dit commissaire tigouave là, Elliot Pierre, on ne parle pas encore. Prisonnier pour Gangoula, Gangoua pouye yo. Non Jacques Mel, Delma 33, c'est même coup de bagarre là. On t'attend de mettre en elle remi après l'amour, pas de manger pour prisonnier. Bon, moun qui entre dans prison là, Gangoua pouye yo. N'a pas marché crasé prison. Pas de arrestation, mon cher. Ou pas dans prison. Changez parole ça. Changez parole ça, monsieur l'ambassadeur. Pas de prison en Haïti. OK? Il n'y a plus de prison en Haïti. C'est une affaire de bois calé. Bois calé. OK? Bois calé. C'est ça n'est là pour l'instant. Mais monsieur parle pour la clé, entendez. Donc, qui donc, monsieur l'ambassadeur, l'autre bagaille, c'est que ce n'est pas parler pour parler. D'ailleurs, un ambassadeur américain, il n'y pas parler comme si vous faites un plaisir. Ou dit qu'il y a deux options envisageables. Bon, vous savez, vous avez. Mais comme on dit ces deux, n'acceptez pas. Parce que comme diplomate, bon, j'en parle que moi, je ne pas parler comme ça. Mais qui t'aime donc, parole. C'est action de besoin pour l'instant, ce n'est pas parole. Ou en un moment là, nous pas besoin de parole encore. C'est action de besoin, monsieur l'ambassadeur. Donc, arrangez-vous, parlez avec monsieur Biden, dit monsieur Biden, nous mélangez en Haïti, mais en touye nous, et d'ailleurs, même petit nous là, touye, par la vampile, même pour yon vina avec cadavre là, c'est discussion par la vampile. Ça dit nous en danger. Sinon, danger, lorsqu'on petit est en danger, c'est une obligation pour yon porter un secours. Eh bien, fais 911, monsieur l'ambassadeur. Just try, call 911. Say to Mr. President, we are here in Haiti. We need your help. Please come over. Do something. We need your help. Let's go. Où t'a fait ça, mon cher ambassadeur? Tendez le nom. On vient d'entendre. Expression de condolence de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui a décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mon gangyo allait ou bien en prison ou bien dans pays sans chapeau. Gros parole. Et maintenant, parlons. Oui, Samdoula, Wendell, mon cher. Ou trop pressé, Wendell, mon cher. Et où t'es qu'à dire Wendell, faut faire ça, Wendell. Et parfois, Wendell, faut dire John Tounel encore, Wendell. N'est-ce pas ton parole comme ça, Wendell? Ou pas quand il corrige en bino l'autre sujet, mon cher Wendell. Ah, Wendell, mon cher. Et tout, ne font-ils tourner la quotidienne? Je ne m'en quitte là, mais font-ils tourner ça? Il faut autant de lits. Si vous avez monsieur parler comme ça, peut-être qu'il y a certaines garanties que le gagne.
Monsieur dit, il y a deux options pour ces criminels, pour ces assassins, pour ces malfrats, ces voyous, ces assassins, kidnappeurs, criminels. Il y a deux choix qui réservent pour eux. C'est prison ou bien ils aller dans un pays sans chapeau. Pas de prison encore, monsieur l'ambassadeur. N'a pas de pays sans chapeau habitant. En prenant parti ça. Les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens, c'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mon gangyo allait ou bien en prison ou bien dans pays sans chapeau. Et maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité technique, ça doit soit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première fois, c'est de noter, alors j'ai commencé en disant, en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle, pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions, ils sont en train de choisir un premier ministre, après nous avons la priorité de choisir le chef de comité électoral provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que c'est pendant le week-end, il y aura une décision, c'est déjà fin de week-end et sans décision. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Est-ce qu'on voit, tes paroles, ça, sont pression liées? Parce que le monde a parlé, faut entendre, il comprenne. Ouais, tes paroles, ça, sont pression liées, ce conseil-là. Parce que, effectivement, vous avez dit dans l'émission vendredi, hein, information t'est partagée, conseil-là, t'es supposé faire sortir non pour le ministère le week-end, là. Ce qui n'a pas été fait. Ouais, ambassadeur, monsieur souligné ça. Je soulignais que, conseil-là, t'es supposé faire non pour le ministère sortir dans le week-end, là, que vous pas faire. Alors, ce que t'as passé, c'est-à-dire, le monsieur dit ça, psychologiquement, il voulait dire un bagage, et politiquement, il voulait dire parole, et diplomatiquement, il voulait dire parole. Son pression, son forme de pression liée au conseil-là. Et le fait, il réagit. Faut dans le quotidien. Et pendant le week-end, il y aura une décision, c'est déjà fin de week-end et sans décision. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit ce conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Est-ce qu'on t'en dit ça encore? Et Wendell va poser une question là, osée et pertinente. Merci Wendell pour question, ça me dirait mal en pile. Ça veut dire, ouais, là encore, monsieur, tacle le conseil là. Parce que, monsieur, imaginez, raison fondamentale qui fait obliger prendre tout le temps, ça, parce que le conseil de 7 têtes. Ça veut dire, 7 mounes, les difficiles pour y arriver à entendre son bagage. Est-ce qu'on t'a dit? Ça veut dire que, monsieur, voulait dire en pile bagage anti-intervention, ça. Et bon, ouais, que le conseil a réagi. Construire ce conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par ça, au minimum 5 membres de 7. Et ça prend de temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir une premier ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et un résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Mm-hmm. Nous espérons que la décision soit faite dans le conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence les gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Mmh. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens qu'il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. C'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes,
tous les 7 têtes doivent avoir leur capacité de parler. Mm-hmm. Et si on coupe 3 têtes, tous les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire. Tous les tissus encore. Tous les tissus encore. Ouais, là encore, son petit tape classique sous cette tête-là. Ouais, là encore, son petit tape classique. Ouais, t'as, ou qu'a senti que M. parlait dans cette tête-là. Mais comme si son passage obligé, son circonstance. C'est comme quoi M. obligé prend forme vase là. Mais le parlait avec le vrai. Bon, on va retourner ça, on me dit tout à l'heure, mais n'a pas suivi. On a plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. C'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, toutes les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler, et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien en solution haïtienne pour la situation haïtienne, mm-hmm. pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. Il y a la vraie bonne nouvelle. Le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant cette. Eh bien, il tout doux, il bon profil, oui, Wendell. Il est pour nous, un diplomate, lui, frère, moi. Il passe dans l'autre chemin avant, mais il y a le même résultat, ou pas? Mais si vous bien gardez, vous, ouais, et même tout doux qui a si besoin, il dit profil, mon idée, il va l'autre gars, il connaît, non, pas? Et profil, ça le décrit, frère. Le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez belle question, un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. Mm-hmm. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. C'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Oui, non, c'est quelque chose. Merci, monsieur l'ambassadeur. On me dit non, bagaille clair. On se dit on va être à l'heure qui peut être osé. Mais qui gagne tout sens. Merci Wendell, mon frère. Merci pour l'interview. Et m'de tendé li, m'de choisi pour un petit extrait ça, pour m'de faire mon tendé. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Métropole. Attendez. Le choix de Gary Coney, c'est pas un simple choix, c'est pas un hasard non plus. Pour qui ça? C'est sûr que Gary Coney commence à recevoir un pile appel téléphonique là pendant la journée. Il y a un pile moun, job yo, probablement senti pral menacé, surtout dans la diplomatie. Parce qu'on paquet raté dans la diplomatie, hein? Claude Joseph a commencé à des autres là. Ariel Henry, par le biais de André Michel, continue avec le Pired. Côté va mettre une équipe moun sans niveau, sans dimension, soit dans l'ambassade ou bien sans dans le consulat yo. Seulement pour aller faire l'argent, alors que vous n'avez jamais qu'à service à la communauté. Gary Coney, peut-être que bagage m'a retourné sur vous demain sur monsieur, parce qu'il faut qu'on ait plus de détails sur Gary Coney. C'est pendant l'émission fin préparée, et puis je vais confirmer effectivement les gens d'accord pour choisir monsieur comme PM. Monsieur vient dans un contexte qui est très particulier, côté que Haïti a connu un moment qui est plus difficile dans l'histoire. Dans l'époque, monsieur était premier ministre, pays a pote qu'on a niveau ça. Il pat nan niveau ça. Le monsieur TPM, ISO, te gen peut-être 14 ou 15 ans. ISO, oui. Monsieur te gen 14 ou 15 ans lorsque Gary Coney était premier ministre. On y dit ma barre. Malheureusement, avec l'équipe du PHTK, dont Michel Martelly comme président, 10 ans, 12 ans, 13 ans plus tard, maintenant qui sa pays a tombé, tout petit cocorate qui t'a suivi machine dans la rue a vu un soldat, il a vu un commandant. Et tout petit soldat qui était à terre, il a vu un général. Le cas de ISO.
Monsieur vient là dans un contexte côté que pays a censé diviser sur le plan politique. Côté tout nèg penser au cas chef, tout nèg quoi au cas président. Monsieur vient rentrer dans un mouvement au conseil sept têtes. Alors que moi garanti, même les supporters, dont les États-Unis en particulier, ils n'ont pas quoi dans le projet sept têtes là. Ils ont plus à souhaiter un gouvernement bicéphale ou bien. Il n'y a pas bon seul tête là tout, avec Gary Conny. Mais si yon t'a souhaité un gouvernement de tête, on va garantir, yon t'a plutôt allé dans la cour de cassation, j'ai été fait déjà en 2004, après le départ de Jean-Bertrand Aristide, avec professeur Boniface Alexandre et Gérard Latortue. Ça devient. On voulait comprendre ça, m'a expliqué là. Gary Conny vini dans un contexte qui est très particulier. Et même ambassade, ou attendé là qu'a parlé avec Wendell. Ou senti monsieur pas on est qui force et qui vraiment à l'aise avec cette question de cette tête. Ça veut dire que Gary Conny premier bail monsieur Galgen là, monsieur Galgen pouvoir là qui dépasse limite. Monsieur Pral gon comportement. Même Jean avec Ariel Henry te dit que son premier ministre président. Il faut me rappeler pour l'histoire. Premier nègre qui te vient à question premier ministre président, c'était Nenel Kassi. Nenel Kassi, ah, viola. C'était Nenel Kassi. Dans une intervention, monsieur dit que, eh bien, il y a un premier ministre président qui c'est docteur Ariel Henry. Donc, avec docteur, oh, sorti docteur, tourné docteur, avec docteur Gary Conny, pays après le connaît un autre premier ministre président. Et sur cette base, l'incapable difficile pour collaboration ça fait vrai entre conseil cette tête là et Gary Conny et tout pouvoir il prend nommer Gary Conny et si qu'on y a nèg faire rondement conseil là a effacé et ne prend obligé de joindre au président en cour de cassation ou bien garder pour contre lui jusqu'à ce que l'organiser l'élection dans le pays.